Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, a atterri ce lundi 20 septembre 2021 à l'aéroport John Kennedy de New York pour participer à la 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Très bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce lundi 20 septembre 2021. Nous l'avons annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participera à la 76e édition, session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, est arrivé ce lundi 20 septembre 2021 à New York où il a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis, Balu Mwini. Miseur sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'ONU sont là les thèmes qui seront traités au cours de cette session. Patrick Borel Mukedi nous en parle. Le président en exercice de l'Union africaine prendra part avec d'autres dirigeants de la planète à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Arrivé par l'aéroport international John Kennedy de New York, le président de la République démocratique du Congo a été reçu au pied de l'avion par Balu Mwini, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, avant de rejoindre sa résidence des circonstances. Déjà, au menu de ses activités, dès ce lundi, le président Tshisekedi aura un tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Avant son grand oral prévu, c'est mardi 21 septembre, du haut de la tribune des Nations Unies. Puis à Lubumbashi, le Premier ministre Sama Lukonde a échangé avec les responsables des associations socio-culturelles, les autorités coutumières et traditionnelles, gardiens du temple, le dimanche 19 septembre 2021. Les détails avec James Katamboa. Après les funérailles de feu Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza à Lubumbashi et sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé à d'autres charges urgentes de la nation, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu ce dimanche 19 septembre 2021 les représentants des associations socio-culturelles, les autorités coutumières et traditionnelles du Haut-Katanga. En présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et du ministre d'État au plan Christian Mwando Tsimba, le Premier ministre Sama Lukonde a enregistré toutes les doléances de forces vives de cette province, a promis d'y apporter des réponses idoines. Le chef du gouvernement a par ailleurs assuré ses interlocuteurs du soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourra les recevoir lors de sa prochaine visite dans le Haut-Katanga. Se confiant à la presse, le grand chef Kaponda espère que dans le tout prochain jour, le chef de l'État pourra aussi recevoir les autorités traditionnelles du Haut-Katanga. Le président de la République reste le père de la nation et il pourra nous recevoir à tout moment que sa disponibilité permettra, a-t-il déclaré. Le chef de l'État nous reçoit, mais faute, comme il était très occupé, le premier ministre nous a reçu et il a dit que non, à la prochaine occasion, le chef de l'État va nous recevoir, il sera Lubumbashi. Oui, il est président de la République, il est notre père, donc il viendra encore ici à Lubumbashi pour nous rencontrer. Ce n'est pas la dernière fois qu'il vient ici à Lubumbashi, il viendra encore.
Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Kondé, accompagné de quelques membres du gouvernement, a séjourné à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il a pris part aux obsèques des feux Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza. D'une province à une autre, au Congo central, le représentant des associations féminines réunies au sein de la plateforme Espace Femmes ont organisé à Matadi, chef-lieu de la province, un forum sur le thème leadership féminin face aux défis actuels de la province du Congo central. Les détails avec notre correspondant sur place, Carlis Kalwangila. La plateforme Espace Femmes, le représentant des associations féminines du Congo central, ont lancé l'opération Femmes convainc ton député de voter une femme gouverneur de la province du Congo central. Cette structure fédératrice veut capitaliser l'élection prochaine du gouverneur de leur province. C'était au cours d'un forum organisé à Matadi sur le thème le leadership féminin face aux défis actuels de la province du Congo central. Pour Maître Chérine Lousaïsou, avocate au barreau du Congo central et présidente de l'association des femmes juristes du Congo, Afejiko. Celle-ci pense qu'il faut aller vers le député pour les convaincre cette fois de porter à la tête de la province du Congo central les choix d'une femme. Si ce n'est pas nous qui allons élire, ce sont les députés. Je pense déjà que dès le départ, si nous voulons remporter ce combat-là, il faut déjà que ça soit sur le plan psychologique. Que nous essayons que nous avons tout la vie, bah député, bah je vois comme bon, bah ça la capoité. Qu'on se dise déjà que nous voulons rencontrer des responsables, des personnes qui peuvent comprendre la nécessité de notre démarche. Et c'est cette nécessité-là que nous devons être en mesure de bien l'expliquer. Pourquoi est-ce que nous pensons que nous voulons une femme? Maître Bibiane Bankento, une des oratrices de ces forums, précise qu'au Congo central, il y a beaucoup de conflits, de problèmes et espère qu'une femme, avec son grand cœur, va changer les choses. Nous avons vu comment est-ce que la province avait été gérée pendant plusieurs années. Et depuis lors, il y a eu des problèmes qui se multiplient et qui changent de forme. Et nous pensons qu'avec une femme, avec un cœur de femme, ces problèmes pourront être résolus. C'est comme ça que nous avons conscientisé les femmes à soutenir la candidature de la femme. Mais qui sont les femmes candidates et quelles femmes proposer comme candidates? Ces questions sont revenues plus d'une fois au cours de ces assises, dont on a pointé comme les prétendants candidats favoris la sénatrice Nefertiti Ngoudian Zabayoki Sakisula, la députée nationale Nelly Mwinga et Madame Chantal Malamba, secrétaire exécutif à la Chambre des commerces du Congo central, Justine Kasavubu, pour ne citer que ces noms. C'est dans ces cadres que Maître Saoli Diakese a fait appel à la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakiru, qui a réussi à faire grimper le pourcentage des femmes dans le gouvernement Samalou-Kondé grâce à son lot. À l'Équateur, la cathédrale catholique Sainte-Jeanne de la ville de Mbandaka a servi de cadre d'une messe d'action des grâces en faveur du martyr de la démocratie. Cette action a été organisée par le président fédéral de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Équateur 1, Jean-Claude Mbongo Bokanga. Suivi. Messe d'action des grâces, c'est lundi 20 septembre 2021 dans la cathédrale catholique de la ville de Mbandaka. L'IDPS, Fédération de l'Équateur 1, conduite par Jean-Claude Mbongo, a organisé une messe d'action des grâces en la mémoire de tous les Congolais morts dans la lutte pour la démocratie, dénommés les martyrs de la démocratie. Le curé de la paroisse, M. l'abbé Jean-Claude Ekala, qui a officié cette messe, a tiré du livre de Luc, chapitre 9, versets 23 à 26, pour confier à l'Éternel les âmes de tous ces martyrs, notamment les militants de l'IDPS tués, et tous les Congolais tombés dans différentes marches et manifestations organisées pour la démocratie, pour l'état des droits, la justice distributive et autres. Les chrétiens tombés dans les manifestations pacifiques, sans oublier les jeunes des mouvements citoyens, dont la lutte pour le changement, Lucha, Filimbi, Congolais Debout et Koki, pour ne citer que ça. Dans la première lecture tirée de la Sagesse, chapitre 3 et les 9 premiers versets, la parole de Dieu certifie que les justes survivront à jamais. Leurs âmes ne se perdront pas.
Le président fédéral Jean-Claude Mbongo a indiqué que la date du 20 septembre nous rappelle l'incursion des forces du Mal à Limété et ont tué et brûlé vifs les combattants de l'IDPS à Kinshasa. Cette situation s'était généralisée dans toute la République démocratique du Congo. Jean-Claude Mbongo Bokanga. Nous sommes en train de commémorer la journée des martyrs, des combattants de l'IDPS fauchés pendant la lutte. Vous savez que ici, le 15 février, la lutte de l'IDPS va atteindre 40 ans. Alors au cours de cette lutte, il y a des combattants qui sont morts à cause seulement de leur volonté de servir la nation, de libérer la nation des dictatures précédentes. Alors l'UDPS, notre parti, a voulu que chaque 20 septembre, qu'on célèbre un peu cette journée en mémoire de nos combattants qui sont décédés pendant la lutte. Voilà. Quittons Équateur pour Kinshasa pour vous parler des états des routes au croisement des avenues poids lourds et Ami Congo qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé avant que le grand pluie s'abatte. La population des Kingabois, dont la commune de Limété, demande aux autorités de la ville de Kinshasa de réhabiter ces grandes artères. C'est un reportage signé par Mbebo Bénédicte, Patrick Morel Mukienzi et Jocelyne Pilibili. Le conducteur qui emprunte l'avenue Poids Lourd et Ami Congo au quartier Kingabois dans la commune de Limété s'est plaint des embouteillages qui se créent aux heures de pointe, qui compliquent la circulation et provoquent des vols d'objets des valeurs des passagers à bord des véhicules occasionnés par des inciviques venant du quartier Pakadjuma pendant ses temps morts. Un motard, appelé communément Wewa, a avancé que conduire sous poids lourd est devenu un véritable chemin de croix. Ça et là, la sécurité et le délabrement. Nous croisons des sérieux problèmes sur le boulevard Poids Lourd. Des embouteillages monstres créés par des travaux inachevés de l'OVD. Cette route nous amène jusqu'à la gare centrale. Ces embouteillages sont causés par un trou qu'on retrouve à l'entrée d'Ami Congo. Et quand même la pluie reviendra, la route se trouvera dans un mauvais état et les chauffeurs auront du mal à circuler. Selon la population, les agents de l'office de voirie et drainage OVD viennent jeter des cailloux que quand cette avenue devient impraticable. Et la question est celle de savoir, est-ce qu'ils font ces travaux avec cœur et amour pour que ça perdure ou pour revenir quelques mois après? Puis de l'autre côté, les travaux des constructions et des réhabilitations de l'avenue Kikwit ont été suspendus au grand malheur des habitants de ces coins. Ils craignent que la pluie vienne à déranger, abîmer ce qui a été déjà fait jusque-là. C'est un reportage signé par Divine Okukale, Sylvie Fortuné Mboula et Patti Mbouzi. Débuté au mois de février 2021 pour une durée de 12 mois, le travaux de construction et de modernisation sur l'avenue Kikwit ont été interrompus par une société de la place. Située dans la commune de Makala, cette avenue était délabrée et le caniveau bouché. Les travaux qui ont été arrêtés inquiètent les habitants de la commune de Makala, car avec le retour de Madame la pluie, l'on risque de reprendre le tout à zéro. L'avenue Kikwit, c'est une avenue qui est à la frontière. De notre, là où nous sommes maintenant, de l'autre côté, c'est la commune de Kalamu. Et là où nous mettons pour le moment, c'est la commune de Makala. Les avantages pour nous, la population, d'abord, ça va désengorger. Il y a des bouchons qui se font sur l'avenue Kianza. Si la route termine de Lemba jusqu'au fond, là où ils vont aller, ça va donner donc des chances pour nous qui habitons de ces coins. Vous pouvez quitter Lemba, Matete, Kingasani. On peut revenir directement ici au lieu d'aller vers Kianza pour avoir le transport, d'aller à Kingasani ou Pascal. Ça nous facilite au lieu d'aller prendre le transport loin. Maintenant, nous pouvons prendre, vous sortez la maison, vous pouvez prendre, vous rendre là où vous voulez. Parce que je sais que cette route sera fréquentée par
plusieurs véhicules qui vont emprunter les différentes directions. En tout cas, le travail de construction et de modernisation de l'avenue Kikwit avait été salué par tous, car cette avenue devrait aussi être asphaltée. Les habitants de Makala invitent les personnes habilitées à se pencher sur cette question, car la modernisation de l'avenue Kikwit va désengorger et faciliter la circulation dans cette partie de la capitale. Un autre arrêt des travaux, cette fois-là, des curages des caniveaux bouchés sur l'avenue Popokabaka, non loin de la maison de la Bible. Nous sommes là dans la commune de Kalamu et les habitants de ces coins implorent la bonne volonté des autorités provinciales pour la continuité de ces travaux. C'est un reportage de Benny Mungenda, Patim Bouzi et Patrick Borel Mukendi. Les habitants et tous ceux qui passent sur l'avenue Popokabaka au quartier Matongé, cité d'ambiance dans la commune de Kalamu, sont mécontents de l'état actuel de cette avenue où nous retrouvons la grande maison de la Bible et les arrêts des taxis d'Enjili, Kingasani, aéroport d'Enjili et autres. Et pour cause, des dalles, déchets et sables sont abandonnés au vu et au su de la population. C'est là après l'écurage des caniveaux. Cette situation dérange non seulement la population environnante, mais aussi le chauffeur. Le mois de septembre et octobre rime avec les retours de Dame la pluie. Si vous regardez les caniveaux curés, vous allez vous en rendre compte qu'aucun travail n'est fait. Les autorités qui nous dirigent doivent venir apporter un plus, car nous sommes dans un danger permanent. Les autorités communales et provinciales qui interviennent toujours en retard doivent s'imposer pour rendre belle cette partie de la capitale, car si feu Papa Wemba était vivant, il allait composer une chanson au nom des Popokabaka qui est devenue sale. Zela yomo ozomona salité. Ah ezala ki liziba. Tozo bien on lac victoire. Mais les habitants de l'avenue Popokabaka en compagnie du bourgmestre Kadima ont essayé de jeter les caillasses. Mais en vain. Ce n'est un secret pour personne. Dorénavant, l'insalubrité dans les rues de Kinshasa est devenue un fait normal. Oui, dans notre rubrique Actualité vie par les autres, Jean-Michel Mapela et Patim Bouzi ont tendu leur micro à M. Jean-Didier Mouyouma, qui est journaliste à Télé 7. Pour lui, l'actualité reste dominée par cette annonce à l'Assemblée nationale du président de cette institution, Mbosso Podia. Selon lui, la loi Tchani n'est pas prioritaire. Suivez-les dans cet élément. L'actualité qui domine, c'est la loi Tchani qui n'a pas été retenue sur le calendrier des matières traitées à l'Assemblée nationale. C'est Christophe Mbosso Kondia qui l'a annoncé à partir de Lubumbashi où il était parti donner un rapport au chef de l'État de toutes les activités de la Chambre basse du Parlement. Et une question qui divisait déjà la classe politique. Du côté Noël Tchani, il tient toujours à ce que cette proposition de loi ou ce projet de loi soit adopté par l'Assemblée nationale qui vise sincèrement à empêcher certaines personnes qui n'ont pas l'origine congolaise, d'origine d'ailleurs congolaise, du père et des mères, au ministère clé, donc institution président de la République, voire même d'autres ministères récaliens. Donc c'est un peu ça, c'est par rapport à la une d'abord de l'actualité. L'actualité aussi est dominée sur la suspension des universités non viables pour la faculté de médecine, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y a que 16 institutions universitaires qui sont retenues par le ministre de l'ESU. Et c'est une question qui pose aussi problème maintenant, c'est par quels critères que le ministre a pris cette décision. Bon, selon certaines bouches, ce sont les états généraux qui se sont tenus à Lubumbashi, que l'ordre des médecins, les médecins plutôt avec la commission, le rapport rendu.
Parlons sport dans ce journal aux interclubs de la CAF 2021-2022. La formation des Kindoum Maniema Union s'est qualifiée le dimanche 19 septembre pour le 16e des finales au détriment du club gabonais des Wengidi Sport sur la note des 2-0. Faisons le point avec Papi Katassi. Les unionistes de Maniema n'ont pas fait parler les tailles. Le dimanche, dans son entrée, les Joseph Kabila Kabangé et Kindou, les protégés de Daouda Lupemba ont assuré, après les nuls d'une semaine au Gabon, au préliminaire de la très lucrative Ligue des Champions d'Afrique. Le day winning goal, signé du milieu box-to-box Wango Baïkel di Aïchela et Rodi Kitswa, ont permis au poulet du général Amissi Kumba di Tangofort à écarter les aigles gabonais de Bengoudi. Dans un match plein et très engagé, la formation de Maniema a su maîtriser de bout en bout la rencontre avec un travail excellent de ses excentraux. Cette victoire, synonyme de la qualification, ouvre l'étape des 16e aux unionistes qui auront fort à faire face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans la fourchette du 15 au 17 octobre de l'année en cours. Concernant les trois clubs de la RDC exemptés, ils connaissent désormais leurs prochains adversaires. En Ligue des Champions, le TP Mazembe sera face à Mazulu Royal de la République Sud-Africaine en Coupe de la Confédération avec le club Machera Marumo Galante de la Nation Arc-en-Ciel en Afrique du Sud et le Denklo Motema Pembe jouera le Rwandais de l'AS Kigali. Les rencontres qui se joueront entre les 15 et 17 du mois d'octobre de l'année en cours. Puis la délégation du FC Amani de la République démocratique du Congo qui a terminé deuxième au tournoi féminin de l'UNIFAC avait été reçue par le président ad intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga. C'était le week-end dernier au siège de la FECOFA. Patrick Morel Mukendi nous en parle. De la reine des compétitions de football des dames, la formation d'Amani a remercié l'État congolais et ses partenaires pour le soutien durant cette aventure du ballon rond. En seulement deux ans d'existence, le bleu, rouge, blanc du président Charles Kasongo a réussi à imposer ses griffes en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Nous nous préparons parce que c'est pas facile, une jeune équipe, deux ans d'existence, mais nous sommes sortis champions de la ville de Kinshasa, champions du Congo, et nous sommes vice-champions UNIFAC pour la Coupe de la Ligue des Champions. Nous nous préparons. De leur retour à Kinshasa, après les séjours à l'Est et à Malabo, Charlie Kasongo et ses pouliches ont présenté la médaille de vice-championne zone UNIFAC au président ad intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga, qui a été très heureux et a in fine félicité les copines de la gardienne Fédéline Ngoy pour leur première participation encourageante. Vous avez fait un bon parcours. Malheureusement, ça n'a pas marché. On vous a éliminé, ce n'est pas tout. Je vais demander au président et au staff pour qu'ils puissent encore voir là où ça n'a pas marché pour qu'ils corrigent. Ce que vous avez fait, c'est l'UNIFAC. C'est pour la première expérience que les autorités de la CAF ont préféré jouer cette compétition-là. Mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la fin du monde. Vous devez vous consacrer terriblement à faire mieux pour l'avenir. Le football club Amani, qui avait dominé et marché sur Bikira au championnat de Kinshasa et à la Coupe du Congo, a l'ambition de rééditer l'exploit et retourner à cette prestigieuse compétition africaine de football des dames. La deuxième édition du tournoi Yamakasi Top 4 des rugby a vécu le week-end dans la capitale Kinshasa. Les amoureux de l'Ovalie ont suivi avec beaucoup d'attention cette compétition préparative de la finale des rugby à 7 de la Ligue provinciale de Kinshasa. Les détails dans ces reportages signés par Ndaï Lambouti et Damien Maungu. Le rugby club Panther a infligé une défaite à la Source des Stars sur un score sans appel de 17-0, soit 3 essais marqués et une bonne transformation réussie. De son côté, le rugby club Arc-en-Ciel a subi une douche froide devant la Source des Stars par 0-20. Maître Franck Mundouba, l'initiateur de ce tournoi Yamakasi Top 4, est satisfait du déroulement de cette compétition. Premier objectif, c'est d'abord de promouvoir la discipline, qui est le rugby, et puis encadrer la jeunesse par la transmission des valeurs sportives, qui est vraiment le rugby, parce que moi j'ai vraiment positif, parce que
il y a d'abord les enfants des différentes catégories qui ont joué pour la première journée. Et il y a aussi des filles qui, pour la première fois, ont quand même répondu. Parce qu'avant, on faisait jouer quand même des filles avec des garçons. Mais aujourd'hui, quand même, on a eu à voir plus de 4 clubs de filles qui ont participé. Donc c'est vraiment énorme, sans compter les garçons. Et nous souhaitons bien que la finale puisse donner encore un bon air ou bien une bonne ambiance comme aujourd'hui. Dans la version féminine, toutes les équipes ont participé activement à cette compétition. A noter que la forte délégation du comité de la Fédération congolaise de rugby a tenu à encourager les athlètes ce samedi au terrain Mefe dans la commune de Limba, en match de la deuxième édition du tournoi Yamakasi Top 4 de rugby. Ces différentes rencontres entrent dans le cadre des préparatifs du championnat A7 de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa. Complétons à présent ce journal par des journaux parus ce lundi 20 septembre 2021 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Patrick Polidor Ngaziami. Garantir à la population des élections honnêtes et apaisées, c'est l'objectif poursuivi par la CENCO et l'ECC à travers la fusion de leurs feuilles de route électorales, renseigne Forum des As dans sa livraison de ce lundi 20 septembre 2021. Les deux structures ont opté pour un canevas commun désigné sous le nom de Agenda 2023, cap vers les élections honnêtes et apaisées. Forte de leur ancrage et de leur capacité de mobilisation, donc, indique le quotidien, les deux églises traditionnelles sont déterminées à travailler en synergie et à veiller au grain. Le journal fait savoir qu'elles ont coalisé pour une mission d'observation à long terme. Le président de la CENCO, Mgr Marcel Outembi, a précisé qu'il y a eu une condition préalable à l'accomplissement de cette mission, à savoir procéder à une évaluation des expériences passées afin de tirer les leçons pour la bonne marche de l'actuelle mission. Loachani, les tabloïdes l'évoquent dans leur colonne. L'avenir enseigne qu'elle n'a pas été retenue parmi les matières devant être traitées en cette session de septembre à l'Assemblée nationale. Ainsi, on a décidé la conférence des présidents. Et le fait que le speaker de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosso, ait déclaré que ce n'est pas une priorité est un ouf de soulagement pour le camp Katumbi, estime le quotidien. Pour la République, cette proposition de loi est à considérer comme un mort-né et c'est par élégance et politesse que les députés l'ont écarté de l'agenda sans crier haut sur sa disqualification certaine. D'ailleurs, rappelle le président national du MLP, Franck Diongo, dont les propos sont rapportés par La Prospérité, le problème de congolité n'est pas nouveau car il a déjà été débattu lors du dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. Et un compromis avait été trouvé, pour lui d'ailleurs. Dans un pays comme la RDC, en cette période précise, la loi proposée à ce sujet va produire plus de mal que de bien. La référence plus revient sur le calendrier de la session ordinaire de septembre de l'Assemblée nationale adoptée jeudi dernier pour constater que la chambre basse du Parlement va être débordée avec un calendrier surchargé avec pas moins d'une cinquantaine de matières. Une abondance dont se plaignent déjà certains députés au regard des 3 mois que dure la session ordinaire. Et avant de passer à autre chose, Congo Nouveau révèle que certains députés ont décidé de vendre leur nouvelle Jeep Hyundai Palisade dernier cri qui ont fait l'objet des polémiques il y a peu. Et ce, afin de se débarrasser de l'image de corruption collée à ces sombres SUV, écrit le Tri-Hebdomadaire. L'actualité, c'est aussi la participation du président de la République, Félix Tshisekedi, à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'annonce l'Agence congolaise de presse. Selon une source de la présidence de la République, écrit-elle, cette session est une occasion pour les chefs d'État du monde d'échanger sur les grandes questions qui préoccupent la planète, notamment la pandémie de coronavirus qui a privé les dirigeants du monde ce grand rendez-vous annuel en 2020.
Enfin, la tempête des tropiques évoque les nouvelles instructions de Félix Tshisekedi sur les contrats miniers. Le quotidien renseigne à propos que le président de la République a instruit la mise en place d'une commission interministérielle, ministère des Mines et de la Recherche scientifique, ainsi que les institutions publiques concernées, pour accélérer le projet de cartographie des minerais de la RDC et évaluer la situation auprès du cadastre minier avant de diligenter une enquête dans un délai raisonnable. Bonsoir. Cette revue est la dernière note avant de boucler ce journal. Prenez ce rappel des titres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais et président de l'Union africaine, a atterri ce lundi 20 septembre 2021 à l'aéroport John Kennedy de New York pour participer à la 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est ainsi que nous mettons un point final dans ce journal au nom de Patrick Morel Mokendi, chef d'édition, et Léonard Moemeri qui a réalisé. Je vous dis merci, vous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, demain 7, 10, 12, Esther Badibiabia sera là pour vous informer. Jenny Tambou-Malou sera là à 16h pour le compte du journal en langue. Et moi, je vous retrouve à 19h pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenna. Au revoir.